part par ici. Je suis très content de ces prolongations. Ça inscrit dans notre projet, avoir et prolonger les jeunes talents. Et par contre, il faut les laisser du temps, mais moi, j'ai aucun doute qu'ils vont arriver. Et bon, aujourd'hui, tout le monde connaît qu'on travaille très bien avec les jeunes. Et ils ont des bonnes mentalités, des bonnes qualités. Et moi, je suis très content. On fait le doublé. Non, non, franchement, très content de prolonger l'aventure à Monaco. J'espère que ça va durer encore plus longtemps et qu'on va vivre de belles choses avec la Ligue 1, la Ligue des Champions et toutes les compétitions. Puis voilà, c'est que du bonheur. Ça a été une super année. Je pense qu'elle restera marquée à vie. Maintenant, il faut essayer de faire mieux. Je ne vais pas m'arrêter là. J'espère encore gagner des titres avec l'équipe professionnelle cette fois et essayer de jouer plus. Celle que toute la France se pose, quel âge as-tu? 18 ans. C'est grave. Plus sérieusement, tu as signé jusqu'en 2021. Combien de temps tu comptes me suivre? Toute la vie, si tu joues au plus haut niveau, je te suivrai toute la vie, hein. On jouera au plus haut niveau ensemble, hein. Il faut. Tant mieux alors. Je vois que tu es très à l'aise avec le micro. Est-ce que tu as prévu de faire autre chose après ta carrière? Consultant, politicien, quelque chose? Non, j'essaie de faire des efforts. On m'a reproché de trop être dans les débats dans le vestiaire. Exactement. Je fais des efforts, Tout le donc temps. est-ce que je vais me lancer là-dedans? Je sais pas. Je sais pas encore. D'accord. Merci à vous.